À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, les électeurs font déjà la queue pour se rendre aux urnes. Ceux du Kansas et du Texas, un état clé dans la course à la Maison-Blanche, peuvent voter depuis ce lundi. C'était déjà le cas à Washington, Miami, Las Vegas ou encore Chicago, où Barack Obama a voté il y a déjà plus de deux semaines. Le vote anticipé sera proposé dans 37 des 50 États du pays. Les bulletins ne seront dépouillés que le 8 novembre, date officielle du scrutin.